Bonjour à tous, amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une petite vidéo très particulière puisqu'on est sur un jeu auquel j'ai pas joué depuis très longtemps. Les amis, on est aujourd'hui sur Clash Royale. Ok les amis, donc on est avec le petit t-shirt du roi. Ok l'équipe, donc il faut vraiment savoir que j'ai pas ouvert Clash Royale depuis environ un an je pense minimum. Vraiment ça fait très longtemps les amis que j'ai pas ouvert le jeu. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. En fait je l'ai réouvert hier juste et j'ai vu qu'il y avait une espèce de truc avec plein de cartes débloquées. Et là je me suis dit wow, faut que je fasse une vidéo dessus. Du coup les amis, vraiment je n'ai pas ouvert, je n'ai pas découvert le jeu. J'ai aucune idée des mises à jour qui sont sorties etc. Du coup les gars, on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti, j'espère que vous êtes chaud, let's go. N'hésitez pas à me dire si vous continuez à jouer à Clash Royale ou pas. Donc attendez, c'est où qu'il y avait tous les trucs, toutes les récompenses, etc. Je crois que c'était là. Non, oui, voilà, c'est ça. Il y a plein de récompenses. J'ai 57 récompenses à récupérer. Donc écoutez, on va faire ça directement dans cette vidéo. Du coup, on a beaucoup de choses. Ok, donc là, je choisis entre soit des gobelins. Je sais même pas pourquoi il y a ça concrètement. Je sais même pas pourquoi j'ai des récompenses à récupérer. Si vous pouvez me dire dans les commentaires, je sais que je jouais plus les gobelins à lance à l'époque. Alors, sûrement que je vais faire beaucoup de mauvais choix parce que je vais faire les choix des cartes que je jouais à l'époque. Mais bon, ça doit plus être du tout les mêmes cartes qui se jouent maintenant. Vraiment, donc. Je pense que je vais être un noob de fou parce que déjà de base j'étais pas hyper fort, mais là en plus ça fait plus d'un an que j'ai pas joué, donc là ça va être très compliqué de reprendre les gars. Je vais avoir besoin de vous si vous êtes chaud pour Clash Royale, n'hésitez pas à me le dire. Écoutez, moi je trouve qu'une petite vidéo Clash Royale de temps en temps ça peut être sympa, ça peut changer un petit peu, c'est cool pour faire, au lieu de faire que du full Clash of Clans un petit peu une fois de temps en temps, je trouve ça pas mal. Bref, du coup on continue, soit des Hog Riders, soit on va prendre les Hog parce que dans tous les cas la cabane je sais que je la jouais pas du tout. Hop, 200 d'or. C'est nickel, ça régale. Hop là, ok, on a droit à une épique. On va prendre ça pour pouvoir l'améliorer, mon chasseur. Ok, on a ensuite soit 25 squelettes, soit 25 bombers. Je jouais beaucoup les squelettes, je crois. Tac, on continue, on enchaîne, let's go. Il y a quand même beaucoup de choses à ouvrir, du coup c'est cool, j'espère que vous kiffez. C'est un petit peu un pack opening. Là on va prendre la tombstone parce que je peux bientôt l'améliorer. Hop, ça me fait tout bizarre de rejouer à Clash Royale en tout cas, j'espère que vous kiffez. Hop, on va prendre la witch. Ok, clac. Ensuite, soit 50 barbares, soit 50 canons. On va prendre 50 barbares, clairement. Hop. Je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de nouvelles cartes, j'imagine. Faudrait qu'on découvre un petit peu tout ça. Après, on a soit 8 béliers de combat, soit 8 cabanes. On va prendre des béliers de combat parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop, on a beaucoup d'or aussi, ça c'est top. Là, on va prendre le golem direct. On perd pas de temps parce que le golem c'est la meilleure carte, je l'aime trop. Voilà, tac, ok, 50 gemmes, ça met bien ça. Wow, on a un coffre géant et tout. Ok, 1071 or, 9 gargouilles, un bébé drag. 85 gobelins, on va avoir masse rare et 24 boules de feu. Ok, ça régale, hop. En fait, c'est cool vraiment ce truc, c'est une espèce de... On dirait un petit peu un pass aussi de combat, genre plus on monte en trophée, plus on a des récompenses. Donc c'est vraiment cool. Du coup, soit du zap, soit des méga gargouilles. Enfin, des hordes de gargouilles, pardon. On va prendre du zap, je pense. Ça se trouve, je fais plein de mauvais choix, les gars. Je suis désolé dans les commentaires d'avance. Vraiment, je redécouvre Clash Royale complètement. On a de l'or, des fûts à squelette, du zap, des recrues royales. Recrues royales, vous voyez, je savais même pas que ça existait concrètement. Ok, la méga gargouille, direct. On perd pas de temps. Ok, de l'or. Hop, on en est où là? On est qu'à 1200. Ah ouais, mais j'ai encore masse de trucs à récupérer là. J'ai essayé de me speeder un petit peu. PK ou foudre? Foudre. Tac. Esprit de feu ou chauve-souris? Esprit de feu. Tac. Oh, le petit coffre magique, les amis. On a vraiment tellement de trucs. Je vais vous faire péter une légendaire, ça serait cool. Un géant royal, 7 recrues royales, 8 fûts à squelette. Oh ouais, mais là c'est pas bon parce qu'il y a eu tout. Au compte-goutte, des gobelins, des cochons royaux et une armée de squelettes. Ok, armée de squelettes que j'ai déjà au niveau 10. Il me semble que c'est beaucoup. Je sais pas trop. En vrai, pour tout vous dire, une fournaise ou un sorcier. N'hésitez pas à me dire, les gars, du coup, si vous voudriez des lives ou pas Clash Royale. Pourquoi pas faire une petite vidéo une fois de temps en temps. C'était une vidéo par semaine, une vidéo toutes les deux semaines sur Clash Royale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Où vous en êtes, vous, au niveau de Clash Royale. Est-ce que vous continuez à jouer? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous kiffez le jeu? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous en voulez sur la chaîne? Est-ce que pas du tout? Vraiment, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ok, des géants, des trois mousquetaires, du zap, du sorcier. On a quoi d'autre après? De la roquette ou de la machine volante. On va prendre la machine volante. Hop, de l'or. On a ensuite un Arc-X, un ballon. On va prendre le ballon.
Hop, 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 hop. Wow, on a un coffre légendaire juste après, j'ai vu les gars. Oh là là, les amis, coffre légendaire. Oh là là, attendez, est-ce qu'on peut pas l'ouvrir à la fin, alors, comme ça? On se laisse... Ah, je suis dégoûté, je vais les garder pour la fin. On a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Regardez, on a après un coffre épique ici. Après, on a quoi? On a... Tac, 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 tac. Un coffre géant ici. Ok, on a masse de trucs, les gars. Ça met trop bien. Et on va bientôt débloquer un deuxième coffre. Ben, on essaiera de le faire à la fin de cette vidéo, écoutez. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à débloquer, les gars. C'est top. Ok, du coup, les amis, coffre légendaire. Maintenant, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Est-ce que je vais débloquer une nouvelle légendaire ou pas? On va voir ça. Et c'est l'électro-sorcier. C'est pas une nouvelle, mais ça fait plaisir. Niveau 10. Niveau 10. Je n'ai pas du tout niveau 10. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai un peu perdu, je comprends pas trop, il me semble qu'il était que niveau 2 ou 3 mon être sorcier. Je n'aurais jamais monté niveau 10. Je sais pas, j'ai pas tout compris là pour le coup. Ok, j'ai un royal. Hop, 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 le rage, ok. Le soin ou les 3 mousquetaires, les 3 mousquetaires. Tac, oh trop bien, j'ai une nouvelle émoticône. Ça par contre c'est vraiment cool parce que du coup j'en avais pas. Les princes ténoreux comme ça je peux l'améliorer. Tac, on continue, on enchaîne, la boule des neiges, après, le petit coffre épique, ok, on espère avoir du golem, parce que je sais que je joue beaucoup, beaucoup le golem, du foudre, du clonage, et du poison, ok, bon, c'est pas fou, on a eu que des sorts, on a eu full sort dans ce coffre, hop, extract, hop, en fait, j'essaye de prendre à chaque fois les cartes que j'en ai le moins, parce que je me rappelle plus trop des cartes qui sont vraiment très fortes, ou quoi, donc, clairement, j'essaye juste de prendre les trucs que j'ai le moins, donc, on va voir ça. Hop, on va prendre le gang de gobelins. Tac. Le petit coffre. Ça se trouve, les gars, je fais vraiment des choix de merde. Je suis désolé, vraiment, à tous. J'aurais dû faire la vidéo en fait avec un pro. J'aurais dû prendre un youtubeur avec moi ou quoi. Mais là, c'est chaud, c'est chaud. Parce que je vous avoue qu'il y a des moments où je sais pas trop quoi prendre. Hop, ok. Petit coffre géant. De l'électrocuteur. Des boules de neige. Et des cochons royaux. Je sais même pas si c'est bien. Clairement, je sais même pas si c'est bien parce que je connais pas du barbare. C'est quoi ce coffre? C'est quoi ce coffre bizarre? Je sais pas. Ok, de l'or. Ok, des flèches. Ok, des méga gargouilles. Et ok, du feu à gobelin. D'accord. Ah, c'est trop bien. On peut changer des cartes. Mais je veux pas les feux à gobelin. Du rage. Je veux pas de rage non plus. De l'arc-x. Je veux pas d'arc-x non plus. Du bourreau. Ok, ça je prends. Et ouais, bah écoutez, c'est trop bien ça. C'est de la frappe. Ok. Tac. 10 cochons royaux ou 10 bombes. Ouais, on va prendre ça. On a masse d'or par contre, et ça c'est vraiment abusé. Ça c'est vraiment top. Des rages ou ça, on va prendre ça parce que j'en ai pas beaucoup. Ok, ok, ok. Et on arrive à la fin du coup. Ok, on en est là maintenant. Waouh, il y a eu beaucoup de choses, j'ai l'impression. Tac, on va regarder un petit peu tout. J'essaie de redécouvrir un petit peu le jeu. Il y a déjà des offres. Est-ce qu'on achète? Allez, c'est parti. Non, je rigole les gars, on se calme. On se calme. Oh, il y a des offres de malade par contre comparé à avant. C'est abusé. Regardez là, cette offre là. Pour 22€, il y a tellement de trucs. Ah, en temps normal, je me serais jeté dessus. Ok. Tac. Hop. Donc ça, c'était mon deck de l'époque, je me rappelle. Il marchait bien à l'époque. On va essayer de voir s'il fonctionne encore. Tac. Donc là, il y a quoi? Il y a des quêtes à faire, apparemment. Wow, 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 wow. Il se passe beaucoup de choses, les amis. C'est quoi ça? Donc ça, c'est les nouveautés. On s'en fiche un petit peu. Hop. On va ouvrir les coffres. Hop, 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 hop. Let's go. Et ben écoutez les gars, on va faire une petite attaque, je pense, un petit combat pour terminer cette vidéo. Il y a des trucs. Oh, il y a l'électro sorcier sur. Il y a l'électro. Attends, on va regarder un petit peu les nouvelles. Je découvre tout les gars. Je suis comme un gamin. On va regarder un petit peu. Ça, je l'avais pas. Du coup, j'ai débloqué apparemment le gobelin géant. On a quoi comme troupe que je connais pas? Le sapeur. Ok. L'électro dragon. Ok. Le cavabélier. Ok. Et le séisme. Ok. C'est vrai que ça c'est vraiment des trucs que je connais pas du tout, donc on va voir. Ça aurait été sympa de les débloquer, ça aurait été stylé. Bref, oh là, désolé, le jeu qui a... Let's go du coup, on joue contre Vendetta. On va voir du coup si j'arrive à gagner après plus d'un an d'arrêt de jeu. On va voir ça, c'est parti, let's go. Ah ouais, du coup j'ai une nouvelle emote, oh merde. Ça c'est chiant ça. Ça c'est vraiment chiant ça. Tac, le mec il joue Arc-X direct. Ça va me faire archi mal. Ok, c'est bon, j'ai réussi à gérer son arc-x à peu près. Tac, on envoie un petit push là-haut, histoire de faire quand même des dégâts. Ça va, son arc-x, franchement, je l'ai bien géré, je trouve. Le mineur ici qui gratte là-haut, c'est nice. Ok, franchement, on n'est pas dégueu pour le moment, on a mis pas mal de dégâts. Hop, oh là, la princesse qui fait chier.
Hop, on va la bûcher, la princesse. Ça, je me rappelle, les gars. Quand il y a une princesse, faut mettre la bûche. Ça, je me souviens. Tac. Donc, ça va. J'ai un petit avantage. Petit, certes, mais j'ai un avantage. Donc, c'est cool. Mon but de mon deck, je me rappelle, c'est de faire un gros push golem et d'aller attaquer l'adversaire. On va essayer de faire ça, du coup. On va voir comment on se débrouille. Donc, attendez. Clac. Clac. Ok. Nice. On va voir si on y arrive, les gars. On va voir si on y arrive. Oh putain, je regardais pas, les gars, j'étais en train de régler l'image. Je devais... Oh non, c'est une blague, j'avais pas vu, j'étais pas en train de regarder. Oh, je suis trop deg, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On enchaîne direct, on va tenter un push. Faut qu'on lui fasse tomber sa tour à lui en face. Il m'a fait tomber la mienne, faut faire tomber la sienne. On est obligé, y a pas le choix. Ok, sa tour, elle va tomber. Ça va le faire largement même. Ok, un partout. C'est parti, il va falloir rush maintenant de l'autre côté. Hop, je vais mettre un mini PK là-haut. On va y mettre full pression là, les gars. C'est parti. Ok, merde, malheureusement. Ah, putain, le mini PK qui va sur la tour du milieu. C'est un peu con. Ok, ça va, j'ai quand même gratté un petit peu sa tour de gauche et sa tour du milieu. Donc en vrai, ça va. Hop. Merde. Vous voyez, les gars, j'ai plus les réflexes, j'ai plus les automatismes. Là, j'ai complètement fail sa princesse. Ok, faut vraiment que je m'y remette, les gars, parce que là, je vous avoue que je galère. Pas mal. Hop. Hop, tac. Là, j'ai zap l'arc-x pour qu'il change de cible, en fait. Allez, je me rappelle de ça. Tac. On va mettre un petit mineur là-haut. Est-ce qu'on pourrait faire péter le 3 couronnes ou pas? Ça va être trop chaud. Hein. Ouais, non, ça va être trop chaud. Je pense qu'il faut pas que je m'attarde sur le 3 couronnes. Il faut que je m'attarde sur le 2 couronnes. Regardez, hop, j'envoie le golem sur le côté là. Hop, là, cette fois, je la faille pas, cette princesse. Est-ce que ça passe? Ok, yes, l'arc-x qui s'attaque pas. À ma tour, ça c'est l'essentiel. Hop, on envoie un gros push là-haut. On va essayer de gratter un maximum. Hop, le mineur qui est parti. Tac, tac, tac. Est-ce que ça pète là-haut? Est-ce qu'on pète la tour ou pas, les amis? On va voir ça. En tout cas, on n'est pas loin. Ok. Ok, là on a un mort subite. Là, clairement, il faut continuer à mettre full pression. C'est parti, on continue. Oh, j'ai une pression, les gars, c'est trop bien. Je me rappelais plus de l'adrénaline que ça te met, ce jeu. Ok. Tac, le mec met full défense en face. Mais c'est pas grave, hop, on va gratter avec le mineur. Hop. Si le golem peut arriver jusque là-haut et péter sur la tour, ça serait top. Allez, on y arrive, on y croit. Ça passe. Hop là, on met une petite bûche. Est-ce que ça suffit ou pas? On va voir ça. 22. Oh là là, les amis, il reste 22 PV. Vite. Allez, le mineur. Tac. Est-ce que ça passe ou pas? On va voir. Et oui! Yes! C'est la win! Ça fait plaisir! Yes! Du coup, les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et surtout, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez kiffé cette petite vidéo Clash Royale. Moi, je me suis vraiment régalé. C'était trop cool. Vraiment, j'ai trop kiffé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je fais des gros bisous. Et ciao, les amis. A plus. Oh! Non, on s'arrête pas là, les amis. On ouvre le dernier coffre, du coup. Oh, les gars, cette fin est incroyable. Oh, j'ai débloqué le sort de séisme. Ok, du mortier, du chevaucheur et du feu à gobelin. Du coup, j'ai débloqué le sort de séisme, trop cool. Bref, du coup, cette fois-ci, les gars, on arrête vraiment la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et ciao, les amis, à plus, bye bye.